dajek yeen tay jaarale ko ci jumtukaay yi ak xarle yi nga xamne moy les nouvelles technologies pour waxtaan ak yeen ci liñu bokk ñun ñep muy sigi cior waxtaan gi dama koy doore ci kaddu ngeureum di len ngeureum bu baakha baax ndax ci at wi lañu taxawal élection yorona tab maire ak ñi and ak mom yorona tab président conseil départemental ak ñi and ak mom buñu bari won ñu sampone sen deund jakarlo ko wazigenso laaj sen koluté ngén tannu ñu ci ñoñu ñep gënuñu len jakkuñu len jang gënuñu len dëkk ci dëkk bi koluté gogu ngén def ci ñun ñu ngi len ci gërëm di len sante di len wax nak ni sa suñu xeyé suba bu guddi jot lay suñu yitté ak suñu mbébét moy buñu dox ba kenn rek ci wazigé chorné ah man dé amna luma rëcc ci limu wolu won Ousmane Sonko ak ñimu andal ndax gor goro koy fay askan waru ñoo gëna goré ñun damay faral di wax ni ñun ñi nekk acteur politique ñun ñoo amel askan yu ameluñu ndax ku la wolu banelal li wara doxal sama dëkk ci walu njangu ndaw ñi ci walu paj mi ci walu tali yi ci walu ndox mi ci walu leg li yow la ci wolu koku déssel la dara kon ñu ngi leen di gërëm leen sante di leen wax nak ni bi ngeen ñu tabé ak légui def na juroomi wër ak ñent 9 mois ci juroom wër ak ñent yoyu lañ ci jotta liggéey defera wazigen chor yépp tek nañ ci seen bëtt li ci ñëk moy ñoo ngi doon liggéey ndax buñ lay doga tab ci dara faaw rek nga chambar ko ba xam li ci nekk ba paré waye duñ la tab rek nga ñëw di daw xel donc chambar nañu ba xam li ci nekk ñaaral bi nga xamne liggéey nañ ko ci jamono joju ci diir gogou moy fexé ba li ñu diglanté won ak yeen ndax bu len faté ni ñun bañuy ñëw ñu non rek ak loxo neen dañoo ñëw andi benn programme bi ñu ko tuddé liggéey brok woow ñu wasiké sor ci leneen dudul liggéey ndax réew mo xamné dafa tardé bañu bolé ko ci fukki ñaar fukki réew ak juroom yi gëna tardé ci aduna koku ah fecc baxna de def ay événement baxna de waye li wara doon sa yitté bi ëpp moy liggéey ñi nga xamné ñom développer nañ ba paré am nañ doole fuñu liggéey ben yow nga liggéey juroom ndax tang leen bëgga dab bo nekké ci classe ngay ni 50 élèves nga jël 45e so bëggé dab ki jëlone premier mom fu mu jàngé ben yow nga fa jàng juroom motax ñu wo wa Ziguin Chor wo wa Sénégal yépp ci liggéey programme bobu ñu diké won nak dafa am nu mu téré motax li ñu ñëk def moy chambar buñu paré chambar moy waxtaan ak ñi ñi liggéeyal yépp ci xamal leen ñun lan moy suñu gis gis ci ni ñu wara doxale parce que gannaaw yalla nak ñun la yalla def maire biñu ñëk wax ak waxante ak ñom moy lobal alalu askan duñ ko nangu deureumu askan bako fa la tudd lepp lo xamne lu ñepp bokk la te mu joge ci posu nit ñi di seen lempo jaaduut ñaar nit wala ñent wala juroom akki moko ñom tok mo xam suuf si la mo xam lu jëm ci état civil la mo xam lu jëm ci recette municipale yi la wala lu jëm ci service technique yi la ak lepp lo xamne liggey la rek luma bëgg bëgg nit ak luma jégé jégé nit kuma xam xam ni randal alalu khalis wala lubal alalu khalis duma ko négocier kenn te kuko defit dana mujjé ak yow ci yoon parce que alalu mbolo la ñaaral bi moy gëna gorgorlu ci farlu ci liggéey bi ci ñëw heure wacc heure waye heure gi ngi fi nekkit nga jaglal ko mairie bi
jagnel ko citoyen yi nga xamné dañuy soxla mairie bi ñettel bi moy chambar ba xam ndax liñu soxla ci ay nit yi wara liggéey ci mairie bi mom mo am deug ndax lélé xam nañ ci mairie dañuy bëgg duggal yenn say mbirum politique ba di jël ba mu ëpp soxla mairie bi bu ko défé li ëpp ci budget mairie bi dañ koy yobbu ci fay ay salaire ci jamono joju war nañu dem waron nañ ko yobbu ci hôpitaux yi yobbu ko ci école yi yobbu ko ci marché yi yobbu ko ci tali ak fenen pour wa zigenchor gi ci sen bop lolit amna liguey bu am solo buñ ci def ba yeen ñepp gis ngeen ko ak yeneen yo xamne ci méthodologie liguey bi la won ñu def ko ci juroom ñenti wër yi nga xamne wessu nañ ko waye yit ci liguey bi nga xamne mom lañ ñu sas ndax xam ngeen ni mairie yi patch la ci nguuru Sénégal ci état bi mu am loi bo xamne mo ne li ak li ak li ak li lañu jaglél mairie bokku na ci njangu tout tanki bokku na ci pajmi ci lepp lu jëm ci poste de santé ak dispensaire yi bokku na ci li jëm ci assainissement nu ñuy def ba lepp lu jëm ci canal yi ak ñom c'est mu jaar yoon bokk na ci walu urbanisme ak habitat moy nu ñuy def ba dekk bi neex ñu am ci ay jardin am ci ay place publique am ci ay plateau sportif ak yenen juroom ñett la wala juroom ñent yo xamne luñu transférer na jox nañ ko légui commune lool nak amna jéego yu bëré bëré yo xamne ñu ngi ciy liggéey te def na ku yéwo ci kicior rek gis nga ni amna luñ ci def nam ñi ñu wutu ci maire bi am de luñ fi bayyi won lo xamne lu bax la ñu continuer ci lolu parce que mbir mom boko joté rek noy def ba mu gëna bax ba mu gëna ñongé ba mu yok mom nga wara def ci walu njang mi fexé nañu ba ñi ngi jappalé école yi nuñ ko mëné def na ren lañu joxé ci fourniture scolaire pour jappalé suñu doomi rawati nak wayjuri nga xamné lélé sen loxo du jot sen gannaaw ken musul gis lu toll nonu ñu def ko ci Ziguinchor ci jappalé école bi non lañ koy défé ci bëgg nañ ci suñu programme fi lek 2024 dotul am ben école ci Ziguinchor bo xamné défaluñu ko mur ba mu teju ñu défal ko buntu ba école ba xalé yi mëna nek sen sécurité ci biir ndax école bo xamné Samba Boy bu joggé feulé mëna dugg mbam xof bu joggé feulé mëna dugg nak mëna dugg xaj mëna dugg mat ay xalé lolu ñepp xam nañ ni amul sécurité suñu dom motax le 30 war nañu commencer pose première pierre lu melni école Belfort bi lu melni école Kandiala ak fenen ak fenen école yeb bëgg nañu clôturer ba xalé yi dotu ñu nekk danger bu ñu xañu xasse dugg ci école bi wayé dinañu améliorer karangé gi jël ay nit yo xamné ñoy doon gardien ci école yi waye ñen ñep xam ngeen ni Ziguinchor ba légui amna lu ñuy wax abri provisoire amna lu mat 48 abri provisoire moy ay sakket yo xamne fa la xalé di jangé mu amit yo xamne donté classe la ñep xamne ni li matalul classe ñu né nak amna ñu tay ambition programme bo xamne tabaxat ay salle de classe ba ci dir gu gatt du am fenn ci Ziguinchor fo xamne nit tay nek ci ay sakket di jang wala mu nek ci ay salle de classe yo xamne kenn yeneewul sa dom jangé ci classe yu mel non ak yeneen yo xamné fassé nañ ko def ci école bi wayé yamuñu ci lolu ci walu paj mi amna programme bu mag buñuy lancer bo xamné poste de santé yi fi nek bari na yo xamné ba légui mënul dox surtout maternité yi parce que lañu waron tabax pour matronier ak sage femme yi mëna nek fofu amul dinañu lancer lolou yépp tabax ko dinañu yeggalit poste de santé bu Goumel dinañu défarat poste de santé bu Diabir ak yeneen ak yeneen yu mel nonu parce que paj mi dafa am solo le fièg le 30 ak le 31 dina bëri lo xamné ci ay jumtuwaay ci walu faj ay lal ay table d'opération waye garab gu bëri yo xamné luñu dajalé won la li ci coopération décentralisée li ci ay bonne volonté yo xamné jëflanté na ñom ñu joxé ko dinañ ko sédélé ci poste de santé yi nek ci biir Sigui Thior waye nañ ko sédélé ci hôpitaux yi parce que lañu bëgg
moy zigen shora bu nek ak zigen shora bu nek di faju bu bax motax ñuy rafetlu it lu melni hôpital silence taxawul nañ fa première unité bo xamne day def chimiothérapie moy ñi nga xamne yalla natou na len bañu am fièvre bu metti bobu di cancer té ñu don wara dem di Dakar pour ñu leni défal chimio tay amna ñu première unité chimiothérapie bu nek fi ci hôpital silence bi nga xamne ci mairie bi la dépendre ñogi lijeenti pour mëna am néphrologue moy médecin bo xamne lool moy ligéem bu waram ñew Ziguinchor su mënul ñew tok fi définitivement muy ñew ñaar ba ñet yoon ci wër bi pour jappalé maladie waye nak dinañu former ay nit fi yo xamne ñokoy def peus bu né nam ci jamono ji ñu nek cancer yu dal jigéen yi muy cancer col de l'utérus ak yu mel nonu mom la mëna fajagum waye ñaan nañu yalla mu may ñu bañu yaatal ko ci bép xétu cancer kon paj mi suñu yitté la ci yitté yu gëna reuy ñu fassiyéne ci def ay djégo yu reuy reuy lu melni ay service d'urgence parce que bokk na ci paju Sénégal li ci gëna doy war moy service d'urgence dafa tumuranké moy tay ñaanuñu ko yalla ku accident won légui ñu yobbu ko hôpital ñiko wara dalal def premier soin yi nga xamné lool day faj lu bëré bëri kon loolu it ci suñu programme bokk ta am nañu djégo yu ci dor mbirum infrastructure muy tali bëgg nañu Ziguinchor ñu améliorer infrastructure motax man mi en tant que maire yëkëti na lu melni machine pondeuse bo xamné day défar ay pavé di défar ay brique ak yenen may ko commune bi ci fan yi di ñëw dinañ ko installer feulé ci Kenya fi ñu défar place bi commencer défar suñuy pavé ba nga xamné tronçon tali yu bari nañ ko mëna pavel suñu bop wayé mul ci pavé tali rek néna Ziguinchor dañu bëgg mu doon dëkk bo xamné dafa neex kenn ku ne wara mëna genn di doxantu dem tok ci ay place publique motax amnañu programme bu reuy bo xamné ci loolu lañ ko jaglél moy fexé ba am ay place publique am ay plateau sportif ci bir quartier yi ba xalé di mëna football wala basket ci condition yu bax wayé amnañu ambition bo xamné it ci walu marché yi amna ñaari marché yo xamné lancé ñi ngi lancé appel d'offre ben bi moy marché au poisson fexé ba marché bo xamné jeun gi rek lañ ko jaglél fi ci boudo di ci wétu quai de pêche bi bu boba it dina fexé ba lépp lo xamné da doon gëna fessal marché Saint-Maur ñu yobbu ko détaché ko fofu waye deuxième marché bi moy marché aux produits agricoles ndax ñun ñëpp xam nañ ni li tax Saint-Maur mel ni mu mel ni bok na ci goana bi ñi wax ak yenen ak yenen waye tay buñu paré marché tilen bi nga xamné donte li ci dess bëritul ñu fexé ba marché au poisson buñu bëgg def fi ci 54 mètres bi def marché au produits agricoles du moins da def marché au poisson fi ci boulot di japp naan lool dina désengorger Saint-Maur waye nak marché fi amone lu mel di marché ngelaw marché Grand Dakar ak Baneto ñu réfectionner wat ko yaatal ko defena lool dina tax ba marché bu nek dina nek ci norme yi gëna bax ba yenn risque yi ñi am ci marché ba leg leg nga deg ñu ne incendie amna lepp lak na lool nañ ci nañ ko mussel Ziguinchor ak wa Ziguinchor kon liñu wëga def bari na suma doon lim tay mën nañ fe fanan waye li lepp nak bokk yi ndimbal da ci fekk loxol borom li tax ñuy wax citoyenneté moy kenn ku nekk di laaj bis bu nekk bala mu naan lan la municipalité bi defal ma mu wara ñëk xalaat man lan la defal municipalité parce que defal municipalité moy defal sa bop motax ñuy rafetlu lu melni service civique bi nga xamné lancé nañ ko wo ci ndaw ñi wo ci mag ñi wa Ziguinchor yu bari ñew uy siñu moy service bo xamné service volontariat la nit day jog ne dama ñew défaral sama commune té lajuma ci dara liggéey bu rafet la service bobu def ci jamono yi wess gis ngeen ni biñuy deugmal nawet bi maire bi da daan fay ay xaaliss bu dul jeex ay entreprise pour ñu nettoyer ka niveau yi waye len gis ngeen ni wa Ziguinchor ñoo jog ne dañ koy def ba sax ay nit joge Dakar joge Djourbel joge fep ñew ñoo bi ne dañ ci bok ñu am ci résultat bo xamne kawé na suñu ndort te kenn gisul ndox mi taxaw ak Ziguinchor nga xamne day def plus de 2000 millimètres ci walu taw dégg nañ inondation fu né waye néw na Ziguinchor te service civique bobu moko liggéey
té konné diko liggéey ci nettoyement yi ñi def ci biir dëkk bi kon loolu woné na citoyenneté lim mëna def ci dëkk non lañu bëggé nak wax Ziguinchor Choroua bu nekk né ko liñu wara défar ci dëkk bi du joggé ci poche maire dé man awma ay milliards du joggé ci poche conseil maire amna lu mu ciy joxé kenen joxé té li gëna findé joxé bo moy suñu la andilé kayitu lempu nga fay ko gis nañ nak ni dafa melni Ziguinchor Choroua yi xamnañ fiñu bëgg jëwé dëkk bi ndax gis nañ ni so jëlé Jakarta mani nangu nañu fay so jëlé ñi yor bari nangu nañu fay barki demb tayri lañu togal nangu nañu fay commerçant yi nangu nañu fay non lañ ko bëggé ci Ziguinchor Choroua yépp ku ñu andil kayitu lempu sa kër jégel wa lempo wala wa trésor bo mënul fay lepit ñaanal ñu défal lako ay patch wër wu né nga am lo fay ta xamni dërëm bobu ngay joxé moy défar talib wara jaar sa buntu kër moy andi courant bi sa buntu kër moy défar poste de santé bi nek sa wétu kër ba nga mëna faju moy défar école bi nga nek sa wétu kër moy tax xalé yi jang dans de bonnes conditions programme bi ñu am bëgg xalé bu nek li ñi wax le cantine scolaire le lait à l'école lolu mo koy fay moy tax ñu joxe fourniture scolaire lañ leen mëna garantir moy du am deureum bo xamne nit fayna lempom ñu ne jadd na duñu duggal ko fenen fudul li nga xamne jëriñu askan wi la am nañu programme Ziguinchor Ville Lumière moy fexé ba lampadaire solaire di ñu jënd ci ñu bëré mais mbokk yi xam ngeen ni lolu xaaliss la parce que ben lampadaire solaire bu jaar yoon rek lampe fond roche yi ngeen ni gis mëno ko am moins de 900 000 francs mom ak potom ak lepp ñu ñaan yalla mu may ñu ñu mëna def programme bu reey té ñëk ci jital nak ñi suñu priorité moy quartier yi nga xamné dañ leen xawona sagané lu melni Djibok lu melni Djéfay lu melni ben parti ci Kandiala lu melni Jabir lu melni yenn côté ci Lindiane ñu am programme né bëgg nañu fexé ba ñoñu ñëpp ñëbu fa lumière suñu mënul duggal lumière bi fépp nañu fexé ba la yenen quartier yi am ñom ñu am ci loolu xam ngeen programme yu reey la amna quartier Ziguinchor yo xamné tay ba légui ndox jafé na len ñu bëggal liggéey ak SDE ak SNO fexé ba ñu jot ci ndox loolu motax suñu len né ñun ñoy défar suñu dëkk lañu yaakar ci yeen té liñ leni laaj du bëri mukk nak as tour dañ leni laaj kenn ku ne su lambé touti posam ñu dajalé ko mu doon du bëri ñu défar suñu dëkk ba aduna yépp ñeñu Ziguinchor lool moy suñu ambition ci yeen ñu daanel ni amna yeneen programme ñu andi lu melni économie sociale ak solidaire moy nu ñuy def ba jappalé suñu yaaji tok fi di def jardinage bu ndaw gannaaw ci gannaaw Lindiane wala Colobane wala fu munti doon nu ñuy def ba jappalé suñu rak ji nga xamné mu nga bëgg taxol poulayem nu ñuy def ba jappalé suñu yaajé nekk ci dex gi di génné pañ bi ak yoxos bi nu ñuy def ba ki bëgg commerce ñu outal ko financement ki bëgg def transport ñu jappalé ko ci financement mo taxon ñu lancer programme bobu né nak nañu fexé bu mobiliser xaaliss bu ñu mobiliser xaaliss daal di taxawal li nga xamne mom lañu tuddé couveuse d'entreprise moy li former nit ki bala ñukoy jox xaaliss pour mu liggéey parce que ko jox xaaliss sa formé wako rek bo moytul dina fayit ganna buñ ko formé paré nak yëkëti lenn ci xaaliss abal ko mu dem liggéey di fay lolu yéene la buñ am pour Ziguinchor région bi la wax nak waxuma seulement commune bi mu na lañ ci baña fekk parce que bokul ci compétence yi nga xamne transféré nañ ko waye dañoo am yene gu reuy pour dëkk bi ñuy continuer di lancer appel bonne volonté yépp nenañu ku am sa 10 000 xébuñu ku am sa 50 000 xébuñu ku am sa 1 million xébuñu buñu dajalé ba am lenn luñu mëna lancer liggéey bi rek ñu lancer ko commencer di jappalé nit ñi di leen financer yi mbokk yi moy suñu gis ki ci Ziguinchor li lañu lancer am djégo yu am solo ñu def ci 2022 bi donté 9 mois rek lañ ci am fassiyene dak 2023 bi don deug nak ané lancement bi ané confirmation bi ñu am yaakar ni bu ngeen ci jappé yeen ñep
dinañu am résultat bu kawé suñu ñor té ñëriñu waasi ngeen xor lay doon motax ñu léni woowat di len soññat ci ngeen jappalé sen mairie jappalé sen conseil municipal jappalé sen maire parce que sudul yeen mënuñu am résultat biñu bëgg motax gannaaw buñ len ñaanalé sante yalla bimu ñu mayé ñu dundu 2022 ba yex ci fi may ñu dundu ko am ci wërgu yaram tal ko ak féké ko di len souhaiter une très bonne fin d'année di len wax ni suñu ambition reyna réay bo xamné budget bi nga xamné ñu ko jëlé ci 3 milliards pour 2022 bi yobbu ko ci plus de 5 milliards pour 2023 danaka yok na lu ëpp 2 milliards ambition yoy moy suñu ambition 2023 di ñaan yalla 2023 gën 2022 lepp lo xamné lu nit di yotu la ci walu wërgu yaram ci walu wërseuk ci walu jamm ci walu sutura yalla na gëna bëri ci 2023 que ci 2022 ñu ngi leen di gënal di leen sante di leen souhaiter une excellente année 2022 di leen souhaiter une excellente fin d'année 2022 di leen souhaiter une meilleure année 2023 ci katanu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ziguinchor-Oise, bonsoir. J'ai l'honneur de revenir m'adresser à vous pour cette première fin d'année que je vis en tant que premier magistrat de la ville de Ziguinchor. Nous avons été portés à la tête de cette mairie depuis bientôt 9 mois. 9 mois qui ont été des mois pleins, des mois passionnants, des mois trépignants, mois pendant lesquels nous avons essayé de mettre en place les fondamentaux des idées, de la vision et du programme que nous avions présenté aux Ziguinchorois. Mes premiers propos seront des propos de remerciement à cette formidable population ziguinchoroise, toutes branches confondues, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse. Remercier cette formidable population ziguinchoroise de nous avoir fait confiance et de nous avoir de cette mairie, qui est une mairie symbolique au Sénégal, avec une histoire extrêmement dense et intense. C'est un honneur pour tout fils ou toute fille de Ziguinchor de pouvoir un jour se faire appeler Monsieur le maire de Ziguinchor. Derrière moi se trouve l'image d'Auguste fils de Ziguinchor qui, avant moi, ont eu à conduire les destinées de cette ville. Et cet honneur, je le dois à vous, Ziguinchoroises et Ziguinchorois. C'est pourquoi je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour être à la hauteur de cet honneur, pour être digne de votre confiance. Ce que nous avons commencé à impulser, ces 9 premiers mois ont été des mois de prise en main d'abord de l'institution municipale. Des mois de mise en place d'un système de travail et d'organisation. Des mois de dressage de l'état des lieux. Ça a été des mois également de contact intense avec les populations pour mieux comprendre leurs aspirations. Ces premiers mois nous ont permis de poser les premiers jalons de ce que nous considérons comme étant une gestion d'une collectivité, qu'elle soit territoriale et demain de la collectivité étatique. Gestion qui doit être basée sur un certain nombre de valeurs fondamentales. D'abord, la transparence, la probité dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi j'ai pu assurer aux Ziguinchorois que sous mon magistère,
aucun écart ne sera toléré. Ce que nous vivons à l'échelle nationale dans ce pays et ce que nous vivons globalement à tous les échelons des collectivités territoriales, on l'admettre. Le service public, comme son nom l'indique, c'est de servir le public dans la dignité, dans l'honneur, dans la transparence, mais dans la communion également avec ses populations. C'est pourquoi, dans cette mairie, nous ne tolérerons aucun écart dans la gestion des affaires publiques. Sur le plan domanial, sur le plan de l'état civil, sur le plan des recettes, sur le plan des services techniques, à tous les niveaux, ce que nous exigeons de tous les agents de la mairie et ce que nous exigeons de tous les conseillers municipaux, c'est de servir les populations de Ziguinchor et non pas de se servir de l'institution municipale. Deuxième valeur extrêmement importante, ou alors deuxième axe programmatique, c'est que nous étions venus vers vous avec un programme qui s'appelle Bourok. Un programme avec un certain nombre d'axes fondamentaux. D'abord, les compétences transférées qui découlent de l'acte 3 de la décentralisation. La santé, l'éducation, l'urbanisme et assainissement et toutes les autres attributions qui ont été transférées aux collectivités locales. Nous avons commencé à poser les jalons d'une gestion axée sur un bon niveau de prise en charge des besoins des populations. L'assainissement, l'hygiène publique, l'urbanisation, nous nous sommes fixés comme credo que Ziguinchor doit être l'une des villes les plus propres du Sénégal, pour ne pas dire la plus propre. Évidemment, avec des moyens extrêmement limités, mais avec la collaboration de programmes étatiques comme l'UCG, le Promoged, la mairie a beaucoup fait pour doter la ville d'engins de ramassage des ordures, d'engins de travaux publics et tout faire de sorte que la ville de Ziguinchor soit l'une des plus salubres et l'une des villes où il fait mieux vivre. Nous le faisons, mais nous comptons sur la contribution des populations. Nous le faisons avec déjà un grand élan de volontarisme des populations ziguinchoroises, notamment de sa jeunesse ou d'une frange importante de sa jeunesse qui a accepté de répondre à notre appel pour la mise en place d'un service civique communal. Et vous avez vu l'excellent travail que ce service civique communal a abattu avant, pendant et après l'hivernage pour curer les caniveaux, nettoyer les grands axes, de sorte qu'on n'a quasiment pas eu de problème. Ces tâches nous coûtaient énormément d'argent dans le passé. Et aujourd'hui, avec l'engagement des Ziguinchorois, de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, même de gens beaucoup moins jeunes, nous avons pu relever ces défis. Cet élan de volontarisme, la citoyenneté est au cœur du programme Bourok et nous y reviendrons dans d'autres aspects. La prise en charge d'une bonne offre pour l'éducation. Dans les jours à venir, nous allons procéder à des poses de première pierre pour les murs de clôture des établissements scolaires. Parce que notre objectif en matière d'éducation, c'est de mettre en sécurité nos enfants qui fréquentent les écoles préscolaires et élémentaires qui relèvent de la compétence de la mairie. Et pour cela, nous avons considéré qu'aucune école dans le périmètre de la commune de Ziguinchor ne doit être une école ouverte, sans clôture qui permette de sécuriser les élèves. Nous allons lancer un ambitieux programme pour clôturer toutes les écoles, mais également pour construire des salles de classe, parce qu'il y a encore des abris provisoires à Ziguinchor, mais il y a également des classes qui n'ont de classe que le nom, malheureusement. Il n'est pas admissible que nos enfants continuent à étudier dans des conditions indignes d'un être humain. Nous avons beaucoup œuvré cette année pour appuyer l'école et particulièrement les parents les plus démunis
en les dotant de fournitures scolaires à un niveau jamais égalé dans la commune. Nous comptons continuer dans cette lancée et en faire encore toujours un peu plus année après année. La santé, qui est une préoccupation, pas seulement pour ce qui relève de la compétence de la commune, c'est-à-dire les postes de santé, les dispensaires et les maternités, mais même au-delà, les hôpitaux qui ne relèvent pas de la commune. Dans les jours à venir, nous allons procéder à une distribution d'importants lots de matériel que nous avons pu acquérir sans que la municipalité ne débourse un franc, parce que beaucoup de ce matériel est issu de la coopération canadienne notamment, mais de bonnes volontés sénégalaises qui ont eu à donner leur contribution. Nous avons comme préoccupation d'améliorer l'offre en service public de santé, en mettant tous les postes de santé de Ziguinchor à un niveau optimal, en équipement d'abord, en personnel ensuite. Et c'est pourquoi des travaux seront lancés pour, par exemple, construire les logements du personnel au niveau du poste de santé de Boukot, pour parachever le poste de santé de Goumel, pour réfectionner et améliorer le poste de santé de Diabir. Tout cela est inscrit dans le budget que nous venons de voter et qui va couvrir l'année 2023. Nous ne nous arrêtons pas au niveau des postes de santé, parce que nous voulons le faire, travailler également à appuyer autant que possible les deux hôpitaux, l'hôpital régional et l'hôpital de la paix. Et je dois magnifier qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital Silence, nous puissions mettre en œuvre la première unité de chimiothérapie. Certes, pour le moment, ça ne peut traiter que les cancers féminins, mais notre objectif, c'est d'aller progressivement pour pouvoir traiter toute forme de cancer dont souffriraient les populations de Ziguinchor et des communes environnantes. Sur le plan des infrastructures, nous sommes en train d'essayer d'abord de mettre en place notre propre système. Et c'est pourquoi nous avons offert à la commune de Ziguinchor un certain nombre d'instruments, dont le plus en vue, c'est une pondeuse de briques, de ourdis, mais également de pavés, pour que la commune puisse produire elle-même le maximum de pavés, le maximum de briques pour les chantiers de clôture des édifices, mais pour pouvoir également lancer des travaux de pavage des rues, mais également les travaux d'aménagement des places publiques qui peuvent avoir besoin par endroit de pavés. Mais également dans le cadre du programme Pakasen que nous avons trouvé sur place, et nous sommes en train de nous battre pour mériter les enveloppes que nous devons recevoir dans le cadre de ce programme-là. Il y avait certes des lenteurs, nous les avons trouvées ici. Je m'en veux pour preuve le volet Pakasen qui devait concerner les infrastructures routières. Il y avait beaucoup de retard. Nous avons dû insister au niveau de la GTIP pour que le contrat soit résilié finalement, parce que le tronçon qui passe devant l'église de Tilène dure depuis trop longtemps. Il y avait des retards. Nous avons dû prendre nos responsabilités pour résilier ces contrats et très bientôt, s'il plaît à Dieu, lancer un nouvel appel d'offres pour avoir des entrepreneurs beaucoup plus crédibles et réaliser rapidement ces tronçons routiers qui sont déjà budgétisés à hauteur de plus de 2 milliards et dont les fonds sont disponibles. C'est de la même manière que nous avons un ambitieux programme d'aménagement paysager. Nous voulons que Ziguinchor soit agréable pour celui qui circule, pour celui qui veut sortir se promener, agréable à vivre. Et pour cela, il nous faut aménager des plateaux sportifs, des places publiques, des jardins publics, parce qu'il n'y en a quasiment pas à Ziguinchor. Si vous voulez sortir de vous promener, vous n'avez pas un endroit où aller vous promener. 2023 sera l'année de lancement de ces chantiers qui devraient nous permettre d'offrir aux Ziguinchorois un meilleur cadre de vie. Je pourrais continuer à énumérer et à énumérer, ça prendrait des heures et des heures, mais c'est vous dire simplement les ambitions que nous avons pour cette ville et que nous comptons réaliser avec vous. Et c'est pourquoi je disais tantôt que la citoyenneté est au cœur de notre programme.
Ce que nous attendons de chaque Ziguinchoroise et de chaque Ziguinchorois, c'est de répondre présent également. Parce que notre ville sera transformée par nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour le faire, mais ce n'est certainement pas l'État central qui le fera. Nous collaborons avec l'État central. L'État central agit beaucoup à l'intérieur de la commune, mais attendons de nous-mêmes les efforts maximaux à faire pour pouvoir nous offrir la ville que nous voulons, la meilleure ville du Sénégal et même de l'Afrique. C'est largement à notre portée. Et c'est pourquoi on dira tout le temps comment on fait pour réaliser tout ça. Le budget passe de 3 milliards en 2022 pour être projeté à 5 milliards et quelques en 2023. Nous le pouvons et nous pouvons même plus. Parce que ce que nous avons fait ces 9 mois nous montre que c'est possible. Mais ce sera possible avec la participation, à l'adhésion de chacun et chacune d'entre vous. Ne serait-ce que sur le plan fiscal, c'est les impôts qui permettent de doter l'État central et les collectivités locales en moyens. Nous ne vous en demandons pas beaucoup. Et je me réjouis de voir que de plus en plus les Ziguinchorois adhèrent. Les différents secteurs socio-professionnels, toutes les réunions qui se tiennent au niveau de la perception municipale, avec la participation des conseils municipaux, comprennent où nous voulons aller avec la ville et adhèrent à ce projet-là. Les Jakartamans, par exemple, ont accepté de payer ce qu'ils devaient payer. C'est 100 francs par jour, ce n'est pas beaucoup. Les tailleurs récemment l'ont accepté. Les commerçants ont accepté. Les tenanciers de bars ont accepté de payer les taxes délibérées par le conseil municipal depuis longtemps, mais qui n'étaient pas payées. Et ce que nous attendons de chaque Ziguinchorois et de chaque Ziguinchoroise, si vous recevez des avertissements d'impôts chez vous, déplacez-vous pour aller à la perception municipale ou au service des impôts et domaines, selon la nature des impôts. Si vous ne pouvez pas payer tout de suite, demandez des moratoires et payez progressivement. Sachez que cet impôt que vous payez, tant que je serai maire de cette ville, aucun franc de cet impôt ne sera détourné à autre chose que l'utilité publique. Et c'est cet impôt qui va nous permettre de réaliser les ambitieux programmes. Par exemple, le programme Ziguinchor Ville Lumière. Nous voulons lancer sur 2023 l'acquisition de centaines, voire de milliers de lampadaires solaires, avec comme priorité les quartiers qui ont été les moins favorisés jusqu'à présent. Nous voulons que l'éclairage public aille partout. Les programmes d'adduction d'eau, puisqu'on a encore des quartiers à Ziguinchor qui n'ont pas accès à l'eau. L'argent que vous donnerez, les impôts que vous payerez, les taxes locales que vous payerez, je puis vous garantir que chaque centime de cet argent sera consacré exclusivement à la réalisation de ces missions de service public pour que les Ziguinchorois vivent mieux. Et c'est pourquoi je disais que la citoyenneté est au cœur de notre programme. Au-delà maintenant du programme municipal, le programme Bourok avait initié un certain nombre d'axes comme l'économie sociale et solidaire que nous avons lancé ici. Ça avance lentement mais sûrement. Mais nous continuons à lancer un appel à toutes les bonnes volontés de contribuer pour nous permettre de constituer le capital primitif qui va nous faciliter l'encadrement et le financement de du petit entrepreneuriat dans la région de Ziguinchor. Je ne parle pas de la commune de Ziguinchor. Parce que ce volet, nous voulons le faire dans le cadre de l'entente interdépartementale qui réunit les trois départements de Ziguinchor, Oussouy, Ziguinchor et Bignona. Nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous. Le principe était simple. Si chaque bonne volonté donne 50 000 francs, je ne dis pas chaque Ziguinchorois, si on en a 100 000, c'est 5 milliards de budget qui nous permettront facilement de réaliser des choses extraordinaires avec la microéconomie, c'est-à-dire l'ostréiculture de nos mamans, la transformation des produits, c'est le petit commerce, c'est l'aviculture, c'est l'apiculture, c'est autant d'activités, c'est le petit transport qu'on pourra financer, encadrer d'abord, former et ensuite financer et surveiller pour que le boom économique que nous attendons dans la région, nous puissions l'avoir parce que le potentiel économique, il est là et il est à nul autre pareil. Il est extrêmement important. Voilà autant de grands chantiers qu'on a essayé de lancer progressivement lors de ces 9 derniers mois
avec la participation de toute l'équipe municipale que je félicite, que j'encourage également, parce qu'ils ont compris l'esprit dans lequel ce programme a été conçu et ils ont compris où nous voulons aller avec Ziguinchor. Avec l'ensemble des conseils municipaux, quelle que soit leur coloration politique, avec le bureau municipal qui a très tôt compris et est à côté de nous, mais avec vous, toute la population ziguinchoroise, 2023 doit être l'année d'éclosion. 2022 était l'année de mise en place des fondamentaux. 2023, à partir de janvier et sans interruption, doit être l'année d'éclosion de ce programme Brok que nous avons présenté. Il y a beaucoup d'autres aspects sur la digitalisation que nous allons lancer bientôt également pour permettre de plus en plus aux Ziguinchorois, aux élèves, quel que soit leur niveau, de pouvoir bénéficier d'enseignements de qualité à partir de chez eux. Mais également pour pouvoir mettre en exergue et en valeur les atouts économiques, touristiques, tout le potentiel de Ziguinchor dans un monde virtuel, digital, où on pourra entretenir des partenariats avec le monde entier. C'est nos ambitions pour Ziguinchor et c'est à cela que nous appelons tous les Ziguinchorois. Je ne doute point que vous ayez compris ce que nous voulons pour cette ville. Et nous le faisons avec le cœur. Nous n'attendons absolument rien en retour, même pas de remerciements, parce que ce qu'on fait pour sa ville, ce qu'on fait pour son pays, on le fait pour soi-même. Et c'est pourquoi nous clôturons cette année 2022 sur une note d'espoir. Et nous ouvrons l'année 2023 sur une volonté ferme de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé au Sénégal par une collectivité. Nous le ferons ensemble et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et vous souhaite une année 2023 100 000 fois meilleure par rapport à toutes vos attentes en matière de santé, en matière de prospérité, en matière de bonheur, en matière d'éducation, en matière de sécurité. Nous vous souhaitons une meilleure année 2023. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.